7, descend. Depuis des années, c'est maintenant que j'ai pas envie de lécher, en fait. Avant 3 ans, Jonas est atteint d'une maladie rare. Vu le nombre de traitements qui existent aujourd'hui, par rapport à il y a 2-3 ans, je me dis que je serai soigné. Pour la 33e édition, le Téléthon appelle au don pour lancer de nouveaux projets de recherche. L'année dernière, la collecte finale s'était élevée à 85,8 millions d'euros, contre plus de 89 millions d'euros lors de l'édition précédente. Des dons en baisse, bien loin des chiffres de 2004 à 2008, où le Téléthon a récolté plus de 100 millions d'euros. Le traditionnel rendez-vous caritatif est éclipsé dans l'actualité. En 2017, par le décès de Johnny Hallyday, en 2016, par le retour de François Hollande. Cette année, il tombe en pleine grève contre la réforme du retraite. Le Téléthon, 40% de la collecte se fait sur le terrain dans les 12 000 communes avec les 250 000 bénévoles et les 50 000 associations qui sont mobilisées. Donc tout cela peut jouer. Depuis 1987, cette grande récolte de dons permet à l'association l'AFM de faire avancer la recherche médicale sur les maladies génétiques neuromusculaires. La FM Téléthon suit 18 000 familles en France. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci beaucoup Vincent Fandage. Je vous retrouve dans quelques minutes. Mais avant cela, c'est Florian Ancel qui nous fait sa chronique People, Média et un peu Pipo. Hein. Imaginez votre intérieur autrement. Bien, et ces petits 4 terres qu'on a bluffé 30 ou 40 ans après leur sortie, ils sont encore remontables. En moyen, une fois fait, quand vous entrez dans une grande étude libérale. Mais entre les deux étapes au fond de la société, il y a plus grande communication. Il y en a, bien sûr, mais beaucoup moins qu'avant. Et ça explique le succès de ces oppositions entre le peuple et l'oligarchie. L'opposition, par exemple, pratique beaucoup Mélenchon à la suite d'une philosophe. Ça, vous dites des colères, on y va. C'est cette question du diplôme aussi, je crois que vous en avez déjà parlé, le fait qu'on a la sensation que le diplôme ne sert plus à rien. Et ça, c'est quelque chose qui peut donner aussi du blocage, de la frustration, et donc le sentiment qui n'est peut-être pas en rapport avec les chiffres, mais ce qui compte, ce sont les préoccupations, c'est les sentiments qui font descendre les gens dans la rue. C'est pas les chiffres. Et donc, on a l'impression qu'on n'avance pas, qu'à cause de ce moment de chômage énorme, on est bloqué. Et être bloqué, ça peut être ce matin, Bernard Fernandez, le député des Côtes-Celtes, disait qu'on devient un peu égoïste. Il disait que les syndicats qui autrefois avaient une société générale,
une gigantisation des prédominants au fond.